Bonsoir à nos auditeurs des États-Unis et à travers le monde entier. Je suis le maréchal Tiano. Vous êtes sur Follow Me. Love, sexy, amour avec un grand en or, certitude, diams, Jen, Cavalli, Jenny. Pour cette édition du jeudi 12 février 2015, à deux jours de la Saint-Valentin, émission spéciale car nous reviendrons dans cette émission sur l'origine de la Saint-Valentin. Nous attendons également dans ce studio une icône de la musique africaine en la personne de Narcisse Presse qui justement se trouve du côté de Washington pour un spectacle inédit à l'endroit des amoureux le 14 février. Installons-vous confortablement et nous allons commencer derrière cette musique de Fally Ipupa, Love Love. La Saint-Valentin, le 14 février, comment en est-on arrivé là? C'est la question qu'on se tenterait de répondre aujourd'hui dans cette émission spéciale Saint-Valentin. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'origine de la Saint-Valentin. Cette journée qui pose beaucoup de problèmes dans les couples, qui parfois arrange aussi beaucoup de problèmes. La Saint-Valentin, le 14 février, quelle est son origine? Nous allons tenter de répondre dans cette émission spéciale du jeudi 12. Dans vos délicates oreilles, très chers auditeurs du monde entier et des États-Unis, je m'appelle le maréchal Tiano. Nous émettons depuis notre studio 2325 à partir de Washington DC, la capitale fédérale des États-Unis. Installez-vous confortablement. Nous allons commencer tout de suite et maintenant. La Saint-Valentin, le jour de la Saint-Valentin, le 14 février est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples profitent pour en échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. À l'origine, une coutume païenne, on vous le rappelle, parce que certains ont tendance à croire que la Saint-Valentin est d'origine chrétienne. À l'origine, une coutume païenne, cette fête est assimilée par l'Église catholique romaine par la désignation de Saint-Valentin comme saint patron des amoureux. C'est-à-dire, la Saint-Valentin est désignée comme saint patron des amoureux dans l'Église catholique romaine. Le jour de la Saint-Valentin n'aurait pas été associé avec l'amour romantique avant le haut Moyen Âge. La fête est maintenant associée plus étroitement à l'échange mutuel de billets doux de Valentin illustré comme symbole tel d'un cœur ou d'un cupidon ailé. Les échanges, les cadeaux, ça se donne ce jour. La Saint-Valentin, la fête des amoureux, ça se célèbre dans deux jours. Et sur Cameroun Vibe aujourd'hui, nous avons en prélude un avant-goût sur la Saint-Valentin. Alors, comment se célèbre la Saint-Valentin à travers le monde entier? Nous avons beaucoup de pays, ça se célèbre dans différents pays différemment. Au Brésil, par exemple, on ne parle pas de Saint-Valentin, mais de Dia dos Namorados, c'est-à-dire jour des amoureux, qui n'est pas fêté le 14 février, mais qui est fêté le 12 juin. En Chine, par exemple, depuis les années 80, la Saint-Valentin connaît une popularité importante, notamment chez les jeunes qui génèrent diverses activités commerciales. À part la Saint-Valentin, il en existe une fête traditionnelle qu'ils appellent le Qi Qiao Jie, pour les amoureux provenant d'une légende ancienne, dont la date est le 7e jour du mois du calendrier lunaire. En Colombie, par contre, la Saint-Valentin est fêtée le 3e samedi du mois de septembre. Elle s'appelle Dia del Amor y Amistad, jour de l'année, jour de l'amitié. La Saint-Valentin est popularisée également en Inde et au Pakistan, provoquant l'hostilité de certains groupes opposés à cette influence occidentale. Vous voyez donc, chers auditeurs, que dans différents pays, la Saint-Valentin est célébrée différemment. Le temps pour moi de rappeler à nos auditeurs que nous allons
ouvrez la ligne à partir de la demi-heure de cette émission pour vous permettre de souhaiter bonne fête de Saint-Valentin à vos proches, à votre amoureux, à votre Valentin ou alors à votre Valentine. Nous allons continuer à vous donner comment se célèbre la Saint-Valentin dans différents pays. En Iran, par exemple, c'est un festival où les gens expriment l'amour envers leurs mères, leurs épouses, et c'est aussi une célébration de la terre dans la culture. En Israël, ça s'appelle le Toubiv. C'est un jour dont la signification peut se rapprocher de la Saint-Valentin. Il est fêté au mois de juin ou d'août, date qu'il choisit de façon précaire. Si l'on va du côté de l'Asie, au Japon, la Saint-Valentin a été introduite par des fabricants de chocolat vers la fin des années 1950. Elle devient une fête commerciale où les femmes offrent des chocolats aux hommes le 14 février de chaque année. Malgré le peu d'intérêt que suscite au départ cet événement, la Saint-Valentin va finalement sacrer dans les mœurs et inspirer de nombreux ménages. Ah oui, la Saint-Valentin, ça se célèbre dans deux jours. J'espère que tous les auditeurs ont déjà acheté leur bouquet de fleurs, leur chocolat blanc ou alors leur chocolat noir pour les Valentins. N'oublions pas que son Valentin, ça peut être sa maman, ça peut être son père, ça peut être son frère, ça peut être sa soeur, ça peut être sa cousine. Pas simplement son conjoint ou sa conjointe. Merci mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Vous allez appeler à partir de la demi-heure le 202-553 pour assister à cette émission, pour contribuer à cette émission, nous donner, partager avec nos auditeurs votre expérience de la Saint-Valentin. Nous allons tout de suite et maintenant marquer notre première pause musicale. C'est avec notre artiste de cette première partie qui n'est personne d'autre que Fally Ipupa qui chante beaucoup pour les amoureux. Écoutons plutôt ça. Ilunga yodala kibese na tanda basosa magi mwayuma Mepupa lela kami mpese na kazi ya mamboleye Makonyo tala yolo kola televizyon Makonyo tala yolo kola televizyon Kwa mpawe, papa rokiye na didistomi Na bengi yona telefone, oyambi wi Yoka telinga telefone C'est vrai que l'ingali susite tati chimbolo Texas katani Chancelier Midou Bongolanga bongolanga Luzumulanga pona linio Bongolanga 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 I bongolanga Bongolanga I bongolanga Mamari fanalane Eh bebe skabisa Bongolanga bongolanga On nous toque Michel. Claude Ngoma Kosi, Pati Omombo, Papi Chomo Ekaton en agi d'orange. Mais Bayoga va répondre à mon toté. Nzambe pesa bango bozui pesa ngai sagesse ya Salomo na yebata kokima souffrance ya bolingo na poi toka bwana lokola mo Kristo na mopagano ye Dinie Mpeti, bienvenue Wawa. Vous êtes bel et bien sur Cameroun 23 auditeurs. Nous avons en ligne notre collaborateur. Il s'appelle simplement Alain Koué. Bonsoir Alain Koué et bienvenue sur la radio numérique. Bonsoir Maréchal, c'est un plaisir de vous parler ce soir. Merci, nous sommes bel et bien ici au studio 23-25 de Cameroun Vibe. Nous célébrons aujourd'hui en prélude de la Saint-Valentin. Nous avons à notre niveau aujourd'hui pensé consacrer cette édition pour la fête des amoureux. Et je sais que M. Alain Coin, vous faites partie de ce groupe de Camerounais qui organise ce concert géant pour les amoureux ce samedi 14 février. Est-ce que nous pouvons en avoir plus? Oui, merci Maréchal, comme vous l'avez si bien dit, nous avons toujours pensé dans le Washington Metropolitan Area d'organiser quelque chose qui va rassembler tous les Camerounais et tous les Africains en fait. Et pour cela, nous avons pensé à faire venir une armoire du Makossa, une armoire de la musique camerounaise en la personne de Narcisse Price qui se produira samedi soir
partir de 20h sur Carole Avenue à l'adresse 8720. Et nous invitons bien tous les Camerounais qui veulent venir faire la fête avec nous à venir, parce que je peux pas vous le dire maintenant, la fête sera grande. Oui, monsieur Alaoukoué, la fête sera très très grande, cette fête des amoureux qui sera célébrée ce 14 février du côté de Carole Avenue avec Narcisse Price, que nous attendons bien sûr dans ce studio déjà. Pour vous, est-ce que vous pouvez nous dire votre expérience personnelle de la Saint-Valentin? Que représente la Saint-Valentin pour vous? Oui, Marisha, la Saint-Valentin représente la fête des amoureux. Vous savez, tout ce que nous faisons dans la vie, et c'est parce que nous sommes nés. Et pour être né, il faut qu'il y ait de l'amour. De l'amour entre deux personnes, et c'est en faisant l'amour que nous sommes nés. Donc, tout ce que nous faisons ici, c'est parce que entre nos parents, il a existé quelque chose de très fort, qu'on appelle l'amour. Et entre nous-mêmes, qui vivons ici dans le Washington métropolitain, c'est parce que nous nous aimons entre nous et que nous nous parlons ce soir. Et Cameroun Voice, c'est l'un des facteurs, c'est l'un des outils que nous devions utiliser pour essayer de persévérer cet amour-là. Alors, parlons d'amour, est-ce que vous... Puisque c'est une émission, le Follow Me, l'émission dont je présente aujourd'hui, c'est une émission également qui fait dans l'intégration de la diaspora africaine en Occident. Alors, parlant d'amour, est-ce que de façon vraie, de façon concrète, est-ce que vous pensez que cet amour est vraiment assez développé dans la communauté africaine du côté de Washington DC, ou alors vous avez un facteur contradictoire par rapport au fait que l'amour est partagé dans son sens propre? Non, en fait, pour moi, ce n'est que mon avis. Nous devions toujours retenir ce qui est positif. Dans un amour, dans un couple, dans une relation amoureuse, nous devions retenir ce qui est positif, oublier tout ce qui est négatif, parce que dans la vie, on avance, on ne recule pas. Tout à fait. Donc, ce n'est pas toujours en reculant, peut-être qu'on va trouver quelque chose de mauvais, mais on avance. Et je crois pour ma part qu'entre nous, il y a quelque chose de sincère qui existe. Je crois que c'est comme ça que je prends la vie et que nous devions prendre. Il existe de l'amour entre nous. Il n'existe pas seulement l'animosité. Bon, on doit prendre la plus grande partie parce que de vous à moi, on a des endroits où on se retrouve presque chaque fois. Et puis le sourire, cet amour, cette sincérité, et puis c'est ce qui devrait rester. Quoi. Tout à fait. Bon, je vais profiter, vous savez, nous sommes écoutés à travers le monde entier. Je ne sais pas si votre Valentine est à côté de vous, où qu'elle se trouve, nous allons vous donner la possibilité de faire une dédicace pour trois personnes à travers le monde entier. Et nous allons prendre le prochain éditeur qui attend déjà. Oh, je commencerai d'abord par un groupe de personnes avec qui je travaille ces jours-ci. Okay. Et en fait, que cette sincérité puisse continuer entre nous et qu'on se regarde et puis c'est cet amour-là qu'il faut éprouver. Okay. Si loin, j'adresserai à tous mes frères et sœurs qui ne sont pas dans ce pays, qui sont peut-être loin d'ici, que comme nous sommes écoutés par le monde, que je les aime vraiment et que... Et maintenant, je dirais à celle que tu as appelée ma Valentine que j'aurai le temps de donner son nom dans une prochaine émission. Que de tout cœur, nous nous regardons tout droit dans les yeux. Et puis que samedi, on va faire la fête avec Narcisse Price, quoi. C'est vrai que je ne voudrais pas vous mettre dos au mur en demandant son nom. Là. Je ne vais pas m'amuser à faire ce jeu-là avec vous, monsieur Alain Koué. Non, je le ferai, ma chère. De vous à moi, je suis quelqu'un de très sincère. Et je crois que ça veut dire, tous ceux qui voudraient l'avoir, la verront là-bas, quoi. Ok, merci Alain Koué, monsieur Alain Koué, d'appeler la radio numérique. Nous sommes dans ce studio et nous célébrons déjà avec deux jours à l'avance la fête de la Saint-Valentin. Et nous continuons à attendre cet artiste, ce géant de la musique camerounaise dans ce studio. Il s'agit de Narcisse Price. Merci pour cet appel et bonne continuation pour la fin de la journée. Merci Marichal, merci. Longue vie à la radio. Merci, merci. Merci. Merci, bonne fête de Saint-Valentin, monsieur Alain. Merci à vous demain. Walter Mounia, New York. Allez, Simba, Yenan,
TTC, Abrissel Night Club Cosmos. Allez, Chabaram Dodina, Freddy Kabosa, Chabaram Dodina, Quentin Samouraï, Eric Kabosa, Dodo Wechi. Allez, Kitana Yena. Ah oui, c'est déjà la fête ici dans ce studio 23-25 à partir, nous émettons à partir de Maryland, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et nous attendons toujours cet artiste Megastar qui viendra dans ce studio pour parler de ce spectacle. Il est là, Narcisse Fraise, il est dans le Washington DC, nous l'attendons simplement dans ce studio pour enfin qu'il nous parle de ses projets de conquérir le public américain. Mais en attendant, nous allons parler une fois de plus de la Saint-Valentin. Vous savez, la Saint-Valentin, c'est ce jour-là qui arrange beaucoup de problèmes, comme je le disais tantôt en début d'émission. Nous avons vu des couples qui se rencontrent plus tôt le jour de la Saint-Valentin. Il suffit de faire une sortie pour aller peut-être à un restaurant ou alors n'importe où. Il y a des gens qui se rencontrent le jour de la Saint-Valentin et qui par la suite finissent par se marier. Mais également de l'autre côté, il y a des gens qui se séparent ou alors qui divorcent même ce jour parce que peut-être il y a eu un mensonge capital, peut-être il y a eu une trahison ou alors pour une raison ou pour une autre. Très chers auditeurs, la ligne est ouverte. Vous pouvez appeler ce studio pour partager votre expérience de la Saint-Valentin avec nos auditeurs. Le temps pour moi de vous raconter mon histoire personnelle. Je me souviens dans les débuts, quand j'étais au lycée, j'avais une copine que honnêtement je n'aimais pas beaucoup. Et le jour de la Saint-Valentin, elle est venue me donner un grand cadeau. En ce moment, j'étais en terminale et je préparais à l'époque le concours de l'ENAM. Et mon grand frère avec lequel je préparais ce concours, je lui ai dit, bon voilà, j'ai cette fille qui est venue me donner un cadeau et que je n'ai pas pris, je lui ai demandé de rentrer avec. Mais il m'a dit, mon petit, ça ne tient pas dans la tête ou quoi? J'ai dit, non mais grand, puisque je ne l'aime pas également, je ne peux pas prendre son cadeau. Et ce jour, il m'a donné une leçon de vie. Il m'a dit, tiens mon petit, avec cette affaire de femme, il est mieux vaut être aimé par une femme que d'être en train d'aimer une femme. Parce que si tu aimes une femme, tu vas souffrir. Alors que si une femme t'aime, tu vas être heureux. Alors j'ai pris cela comme une leçon de vie et je vous recommande également ce conseil, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Si vous êtes à une position où vous trouvez une femme qui vous aime, sentez-vous béni, donnez-lui la chance, donnez-lui l'occasion. L'amour grandit, l'amour se construit, l'amour ça évolue. Donc ne faites pas l'erreur que j'avais fait. Et quand il m'a donné ce conseil, il m'a dit, mon petit, vas-y chez la fille, ramène-la, récupère son cadeau et passe ta Saint-Valentin avec elle, parce que celle-là, c'est celle qui t'aime. Toutes celles que tu vas vouloir peut-être aller là-bas, peut-être qu'elles seront même pas disponibles pour toi. Donc, chers auditeurs, faisons attention. Si quelqu'un éprouve un amour pour nous, voyons dans quelles possibilités on peut faire évoluer cela, parce que l'amour, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de vrai et ce n'est pas manipulable. Nous allons passer à la deuxième ponctuation musicale avec notre artiste de la première partie qui n'est personne d'autre que Fally Ipupa dans son titre intitulé Mon Amour. Nous allons écouter Fally Ipupa tout de suite et maintenant sur la radio numérique. Nous émettons partout dans le monde entier et aucune radio n'a cette possibilité de faire comme nous. Dans vos délicates oreilles, je suis votre humble serviteur, le maréchal Tiano, l'homme à la voix chromée, caramélisé, métallisé. Voici Fally Ipupa, Mon Amour. Son Excellence Richard Bruno Itoa, Yonatalian Elias, Boyo Kaningeto Nzembeli, le leader de l'air, leader Simplice et Bata, Na Ingrid, Romi Oyo, le président Malik Toué, l'empereur KKP, Moses Djenko, Karim Ouattara, Eric Didier. Le King Frank Nguema, son Altesse Sidi Kanyansi. Ingrid Mama, Bongwande Chérie, Ingrid Ayona Lingaka Kobenga Mama, Bona Retrouva Mote Mama, La Mouya Mama Langai, Epaina Yo Ingrid. Yves
Yves Dembela, ambassadeur Bokolo Bango. Nalingi na kufa, nandimi kowa, ma vanke na kufa, na kende na tika mokilo yu. Loba nanga encore, je t'aime. Nandenga ba professionnel, po libere nga na kende en paix. De cœur du Kembers. Mais pourquoi olingi no pete ko libere ngai? C'est que na katia mote manayo, bagrava simplice bata. Surprenant quand na quelques fois na bureau pour comprendre que na lela yo. Na ya linga baby sa yo mote ma boy na nga mono ya bon moi na nga simplice. Ah mon amour Ingrid Isidore Chapé. Ah mon amour, ah. Ah mon amour, je t'aime. Oh s'il te plaît, fais mes ambitions. Ah mon bébé, oh mon corps. Mon amour, tes câlins et caresses. Ah mon amour, réponds-moi. Maman, je t'aime que tu le sais. Freddy Batanga, sécurité garde et des locaux à l'industriel. René Yedieti, librairie de France. Mère à Grâce, maman Irmi, maman na Coco, Jennifer Genevieve, Christopher Nayan Kenya. Maman, jamais de commérage, jamais de jalousie. Tenez ta vécu pour moi. Pour moi, allez. C'est jamais femme, tu ne trouveras jamais. Le petit-fils de son grand-père, les Imboigny, président Chop Chop à Douala. Na rénové bolingo, na n'est pas ya chéri na ngai. Na nalinga mouye nga bilengengi. Na nalinga sape nga bilenga sempis. Lider. Wana boso luka kino nga na belay. Wana boso luka kino nga na kufay. Obino bose retouve nenge bolinga ki. Oui, nous avons un auditeur en ligne comme ça. Bonsoir Madame Meignet Gisèle et bienvenue sur la radio numérique Cameroun Vibe. Oui, comment allez-vous? D'accord. Oui, merci d'appeler la radio numérique. Nous sommes aujourd'hui en prélude de la célébration de la Saint-Valentin. Nous vous donnons la possibilité de faire trois dédicaces à des personnes qui vous sont chères à travers le monde entier. D'abord, c'est une bonne Saint-Valentin à mon copain et fiancé Billy. Ok. Une bonne Saint-Valentin aussi à mes amis partout dans le monde et une très bonne Saint-Valentin à l'équipe en studio en présent. Merci. Lorsque vous parlez des amis partout dans le monde, vous avez la possibilité de citer quelques noms parce que nous avons la particularité d'être écoutés à travers le monde entier. Nous sommes écoutés sur Internet, donc partout vous avez accès à Internet, vous pouvez nous écouter. Donc je préférerais que vous citiez quelques deux ou trois noms pour. Ok, aux États-Unis particulièrement dans la zone du Maryland Silver Spring. J'aimerais souhaiter comme ça une bonne Saint-Valentin à Peggy T, Guy Fab Marcel, Josiane Difoko et Chalène. Okay. Du côté du Nebraska, je voudrais dire une bonne Saint-Valentin à ma meilleure copine Gaëlle. Okay. Gaëlle Beignan. Okay. Et en France, particulièrement à Paris, j'aimerais souhaiter une bonne Saint-Valentin à ma cousine Danielle Ngikam. Ok. Et au Cameroun, on ne peut pas citer puisqu'il y a la famille et les amis. Donc, à tout le monde que je connais au Cameroun. Bon, comme vous êtes la première dame à appeler l'émission, je vous donne la possibilité de trois noms au Cameroun. Hein. Prenez votre. Il y en a tellement, le maréchal. Il y en a tellement. Oui, mais choisissez, hein, parce que la vie, c'est un choix à un moment donné. Bon, une bonne Saint-Valentin à ma soeur, Josiane Ayou. Okay. Du côté de Yaoundé. D'accord. Une bonne Saint-Valentin à ma tante Marley du côté de Bastam. D'accord. Et une bonne Saint-Valentin à ma famille, à mes parents, monsieur et madame Ayou.
D'accord. Ce que vous allez faire, vous allez juste leur demander de se connecter sur W3 Cameroun Vibe Radio pour réécouter cette émission qui sera postée à partir de 22h ce soir partout dans le monde où quelqu'un se trouve que vous avez fait des dédicaces. Dites-lui simplement de réécouter cette émission. Merci d'avoir appelé la radio numérique. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup. Merci bien à vous. Et bonne fête de Saint-Valentin à vous. Hein. Merci beaucoup. D'accord. Ah oui, la fête de Saint-Valentin, nous la fêtons en avance. C'est sur Follow Me. Merci très chers auditeurs d'écouter la radio numérique. Je profiterai également pour annoncer ce comité d'intérêt général. Ça arrive le 28, le 28 à Washington DC. Nous allons assister à un événement spécial avec Cameroun Vibe Radio qui va organiser une très grande surprise pour vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Après le 28, ce sera le 7 mars pour ce très grand spectacle. Ce sera le 7 mars pour ce très grand spectacle. Je disais tantôt, après le 28, ce sera le 7 mars pour ce très grand spectacle offert à l'endroit des femmes. Elle, c'est une jeune de la musique africaine. Elle est très talentueuse. Elle viendra à Washington spécialement pour vous. Elle s'appelle Manibela. Pala Pala Woman. Elle arrive à Washington d'ici le 7 mars pour un spectacle inédit. Elle va vous niamangoliser. Elle va vous pala pala. Et à côté d'elle, nous avons ce géant, cette icône, ce géant trésor, ce papa. Il a tout prouvé. Il n'est de personne d'autre que le célèbre Kambi Brian. Un conflit de génération créé sciemment par les organisateurs de ce spectacle que ne sont d'autres que Pilien Production et Aurore Telecom. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, achetez vos tickets à $50 pour les réguliers. Ou alors à $70 pour les VIP. Rappelons-nous aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est la Saint-Valentin, célébrée 2 jours en avance. Vous avez la possibilité d'appeler ce studio à l'autre ligne du standard, le 202-553-6862. Certains se posent déjà la question à la maison, mais est-ce que Marie-Gère est devenue musicien? Ah non, je chante pas, s'il vous plaît. Je ne suis pas encore musicien. Je m'amuse juste en studio. C'est la Saint-Valentin, c'est la fête. On s'amuse. Et nous allons, dans cette deuxième partie, nous allons prendre une pause et revenir dans la deuxième partie avec un autre musicien qui n'est personne d'autre que Narcis Price, que nous continuons à attendre dans ce studio. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la Saint-Valentin, ça se célèbre, ça se fête dans ce studio avec Narcis Price, que nous continuons à attendre. Ah oui, comme je disais tantôt, ça se fête avec Narcis Price, que nous continuons à attendre dans ce studio. Il a confirmé son arrivée, il est dans la ville et nous allons bien sûr fêter ensemble la Saint-Valentin.
Nous allons prendre une pause musicale et nous reviendrons derrière cette très grande pause musicale dans ce studio. Merci de continuer à nous faire confiance. Merci d'écouter la radio panafricaine. Voici pour vous la musique. Président Jonas Banta, PDG Madison Square. Bashingu, Sango Djane ya Pierre Tchengi. No ende ya lebo, geni ya krize kono mike. Kabinyo molo madad, mbalelo nyope mambo wa manyo. No ende ya lebo, geni ya krize kono mike. Kabinyo molo madad, mbalelo nyope mambo wa manyo. Anna bedi mo fonde, pan so fonde. Situation ete fonde, teme di mo beti titi ya e. Ah oui, très chers auditeurs, comme nous vous avions annoncé, c'est la Saint-Valentin, nous la célébrons ici en ligne, sur Cameroun Vibe, et nous avons quelqu'un qui nous appelle, ce n'est personne d'autre que Bougaf. Bonsoir Bougaf, c'est bienvenue sur la radio numérique. Merci, la voix. Ah oui, merci. How are you doing? Good, 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 I'm doing very good, sir. Ah, you're doing wonderful. Good. I'm doing great and wonderful. Yeah, as you know, we're going to be celebrating Valentine's Day in 2 days. So since I'm hosting my show on Thursday, that's why today I just say I'm going to host this. I'm going to sacrifice this show for Valentine's Day show. So wonderful. Yeah, so what can you tell us a little bit about your experience with Valentine's Days? Or? Wow. Valentine is usually one of the best period one can ever have, you know. Okay. That's the only day you can show somebody that you really care about. Okay. You know, and it was a wonderful thing. I remember long ago when I was in love. Okay. I gave my woman a wonderful Valentine. So, Valentine's Day is usually my rosy day anyway. Okay, you just say something. You just say something, Bogav. You say you remember when you was in love. That mean at this point you are not in love no more. No, I don't know who I'm in love with, but I'm in love with everybody. So, okay, not specific love, but I'm in love with everybody. You know, yeah. So it's still a day we are all going to celebrate because it's a day for love. It doesn't necessarily mean love with a woman, it can be with a friend. Definitely, definitely. Brothers, uh-huh. Family, uh-huh. You know, it's a wonderful day. So, uh-huh. Yeah, well, I recount my, I swallow back my words. I'm in love with everybody. Okay. Okay. It sounds better now. Okay.
It sounds better. So, I had to come back. Yeah. So now I wanted you to reach Happy Valentine's Day to like 5 people that you know around the world, because as you know, we broadcast online, so people, our listening can listen to our show all around the world. Wow. I would love to wish Happy Valentine's to a friend of mine in Cameroon. Okay. Hortense. All right. Tono. Okay. Then in Los Angeles, Judy Jones. All right. In Maryland, D.C. area, I would wish my older brother, Joseph Mbu. Okay. In Paris, I want to wish Bobby Nguime. Okay. James. Happy Valentine's. And who else? You yourself. Thank you. You, everybody in the studio. Thank you so much, Bogab. Thank you for calling our radio. You're welcome. Happy Valentine's Day to you, Bogab. Happy Valentine's Day to you guys. Thank you. It's a wonderful show, and I respect your show, and I will keep on coming. Thank you, sir. You're welcome, sir. You guys have a wonderful day. Thank you, and just the rest of your day. Yeah. Bye-bye. Ah oui. Nous venons comme ça de prendre un auditeur, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Vous pouvez en faire autant. Appelez notre ligne rouge. Nous continuons avec notre invité, notre artiste de cette deuxième partie, qui n'est personne d'autre que Narcisse Price. Écoutons ce titre intitulé « Ça, ça y est ». Chers auditeurs, émission de ce jeudi 12 février dédiée à l'amour. Je profiterai ce moment pour faire des dédicaces à des personnes qui me sont chères. Je pense comme ça à ma très bien-aimée, ma toute première Valentine que j'ai eue dans la vie. Il s'agit bien sûr de ma maman Marie qui se trouve du côté du Cameroun. Je fais également une très grande dédicace à mon deuxième amour qui n'est personne d'autre que ma femme Ninon. Happy Valentine's Day in advance. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour le grand amour que tu m'éprouves. Également, je dédicace à mon ami Duclos qui se trouve du côté de Boston. Dédicace également au docteur Roland Sioué du côté de Paris. Dédicace à ma chère Minone et à son mari Nash du côté de l'Allemagne.
Dédicace à Michel du côté de Aspen Hill. Dédicace à tous ceux-là qui me portent dans leur cœur. Bonne fête de Saint-Valentin à vous. Nous écoutons Elegancia de Narcisse Price. Ça se bouscule. Ah oui, nous sommes ici bien et bien sur Cameroun Vibe et nous avons un auditeur en ligne qui n'est personne d'autre que mon ami Amar. Bonsoir colonel et bienvenue sur la radio numérique. Bonsoir mon cher ami, je suis très fier d'avoir cette possibilité d'assister à ce programme et bonne fête aussi de la Saint-Valentin à l'avance. D'accord, nous sommes bien sur Follow Me, cette émission d'intégration de la diaspora africaine. Nous avons la possibilité aujourd'hui de vous permettre de souhaiter bonne fête de Saint-Valentin à vos amis proches, aux personnes qui vous ont marqué durant votre vie sur Terre. Voilà, merci. Déjà, je m'appelle Georges Tegde et on m'appelle souvent colonel. Je profite de l'opportunité pour saluer déjà toute ma famille au Cameroun, la famille Pec. Au Cameroun, mes amis Chabdou Silvan et Baba Niak, et Fofi Eric aussi, le commandant Fofi, et du côté des États-Unis, n'est-ce pas, son vieux Maréchal Zalaka Fuente. Merci, merci. Et puis la famille Islander United. Ok. Merci. Merci colonel, et je sais que vous êtes très très occupé maintenant avec ce business du shipping que vous faites à travers le monde entier. Je pense que le business se porte bien et le Cameroun Vibes, qui est une radio commerciale, est ouvert pour vous. Vous pouvez venir à tout moment ici pour votre publicité à Cameroun Vibes. Il n'y a pas de problème pour ça. Tout à fait, merci pour l'opportunité, c'est avec plaisir que je vais vous tenir informé pour venir parler du shipping from America to Cameroon all the time, every month. Je suis vraiment fier de cette opportunité et en tant qu'un ami, je vais vous tenir au courant, merci. D'accord, alors très rapidement, c'est pour quand le prochain conteneur pour le Cameroun? Le 25 de ce mois, déjà nous faisons un conteneur chaque fois par mois. Une fois par mois, que ce soit vide ou plein, nous le faisons. Et nous sommes en train de faire déjà deux conteneurs par mois. Donc le 25 de ce mois, c'est le deuxième conteneur du mois de février. D'accord, chers auditeurs, vous avez très bien compris. Si vous avez du matériel envoyé du côté de Cameroun, allez contacter Ship to Cameroun, qui est la première entreprise professionnelle qui fait dans l'envoi des marchandises ou des devises du côté du Cameroun. Merci, colonel, et bonne continuation. Merci à vous aussi. Okay. Ah oui, nous avons comme ça pris cet auditeur qui n'est personne d'autre que John Lipek ou encore colonel. Il vient d'intervenir sur la radio numérique. On écoute Elegancia. Merci Sprite. Thank you.
Ah oui. Nous avons beaucoup d'auditeurs qui se bousculent là, mais nous n'allons pas le prendre maintenant parce que je vais profiter une fois de plus pour continuer à faire mes dédicaces personnelles à mes amis. Je voudrais comme ça saluer Nathalie du côté de Washington DC. Je voudrais également saluer Rosie du côté de Landover. Je voudrais également saluer Condi Bibi du côté de Laurel. Également, je voudrais saluer mon frère à moi du côté de New York. Il s'appelle Patrick. Je voudrais saluer également Paul du côté de New York. Je voudrais saluer tous ceux-là qui portent un amour propre pour nous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers auditeurs. Nous allons continuer. Si tu rencontres une femme qui t'aime, mon frère, serre-la fort. Ah oui, chers auditeurs, nous avons quelqu'un d'autre en ligne. Elle s'appelle simplement Josiane. Bienvenue sur la radio numérique, Josiane. Josiane Princesse, bonjour. Merci, Marie-Charles. Oui, alors, nous sommes à quelques jours de la Saint-Valentin et nous allons vous donner l'occasion de souhaiter la bonne fête de Saint-Valentin à trois personnes, Josiane. Ah, waouh, le plaisir est le mien, merci beaucoup. Je vais souhaiter bonne fête de la Saint-Valentin déjà à toi, Marie-Charles. Ah, merci. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur, Josie. Oui, parce que je crois que tu es un homme d'amour et tu es un homme qui unit beaucoup de gens. Il faut de l'amour hein, et de l'audacité pour faire ce que tu fais. Merci. Et je souhaite la Saint-Valentin à mon mari, Pomme Landry. Okay. Je souhaite la Saint-Valentin à ma fille, Dina Audrey. Okay. À notre ambassadeur, Monsieur Foué Atangana. Okay. Et à la première dame du Cameroun, son excellence Chantal Biya. Okay. Et la meilleure Saint-Valentin de 2015 pour moi-même, Josie Coco. Donc, je suis une femme de l'amour, toujours dans la beauté, la lumière, et je souhaite tout le bonheur à tous ceux qui pensent à partir de l'amour. Hein. D'accord, merci Josie, puisque nous savons également que vous êtes une businesswoman et je crois. Mon nom c'est Oasis Water et puis c'est une eau ultra purifiée qui permet à ce que les gens puissent contrôler leur kilo et puis ça donne de l'énergie, ça vous donne une très belle peau et ça contrôle votre rythme cardiaque et ça peut aider avec vos maux de tête ou des migraines après avoir consommé un taux d'alcool assez élevé la veille. Donc, c'est une eau purifiante, en fait. Mais alors, telle que vous la présentez, là, c'est presque un médicament, l'eau Oasis. Mais voilà, c'est source de vie et l'eau Oasis, c'est un médicament. Voilà, vous avez tout compris. Voilà. C'est quelque chose pour vous purifier de l'intérieur à l'extérieur. Alors, est-ce que c'est une eau qui est importée? Est-ce que c'est une eau qui est conceptionnée sur place? Est-ce que vous pouvez nous donner d'amples informations? Comme ça, lorsque nous allons vous diriger les auditeurs pour chercher cette eau, on saura après cela où est-ce que nous pourrons trouver cette eau. Cette eau est fabriquée aux États-Unis d'Amérique et dans une usine très réputée sur place. Et on peut commander en ligne, on peut commander aussi en appelant directement le customer service. Alors, c'est quoi le website déjà pour permettre à nos auditeurs qui sont à l'écoute de pouvoir déjà aller sur Internet pour passer les commandes? Parce que moi-même, vous me donnez déjà l'envie de boire l'eau Oasis. Je crois que je vais changer pour désormais boire l'eau Oasis à partir d'aujourd'hui. Oui, ça c'est les gens appellent ça du luxe, hein, mais c'est pas du luxe. Mais je pense que quand on s'aime soi-même, hein, on va faire le nécessaire pour sa santé et pour sa beauté. Hein. C'est ça que je prône, en fait. Donc, il y a le website qui est en plein développement, presque fini déjà, des josieoasis.com et jokoyoproducts.com. Donc, Josie, c'est JOZZYOASIS.com. OK. Et jokoyoproducts, c'est JOKOYO, produit, en anglais, PRODUCTS.com. Donc, bientôt, les ventes vont être actives en ligne dans quelques semaines.
Alors, sinon, on peut commander aussi en appelant le service à la clientèle à 202-696-0737. 202-696-0737. Correct. D'accord. Merci, merci Josie. Nous qui sommes, nous qui avons l'opportunité d'être à côté de vous ici, nous ne manquerons pas à vous contacter directement pour déjà commander nos grandes quantités à consommer à la maison, l'eau Oasis. Voilà, c'est fait. Ok, merci Josie Cocour et bonne fête de Saint-Valentin à vous. Ouais, merci beaucoup Maréchal, comme tu le dis. Merci. Bon, je vous dédie ce morceau de Fred Bolo qui s'appelle Bolo. Écoutez ça. Merci. Pourquoi faut-il qu'il n'y ait pas d'entente entre nous, pourtant on se connaît. Yo, oh, yo. Pourquoi faut-il qu'il n'y ait pas d'entente entre nous, pourtant on se connaît. Merci une fois de plus, très chers auditeurs, d'écouter la radio numérique. J'espère que vous avez déjà apprêté des chocolats pour votre Valentine ou pour votre Valentin. Parlant de chocolat, nous avons les chocolats d'amour, nous avons les chocolats de courtoisie, nous avons les chocolats d'affection et de gratitude. Quel que soit le chocolat que vous avez apprêté, apprêtez-le, un cadeau reste un cadeau. Et peu importe la quantité, la qualité, ou alors la couleur du cadeau que vous offrez à votre Valentine pour la Saint-Valentin. Maintenant, nous allons parler de l'occidentalisation et du marketing qui se passe autour de la Saint-Valentin. Nous avons remarqué maintes fois dans nos sociétés contemporaines, dans nos sociétés modernes, que la Saint-Valentin est un peu plus commercialisée en ce moment, à savoir lors de la Saint-Valentin, vous êtes presque obligé d'offrir quelque chose à votre conjoint ou à votre amour. Alors, pour la plupart des cas, cette chose devrait être quelque chose de bien significatif, sinon vous seriez peut-être boudé dans certains cas, ou alors le cadeau vous sera simplement retourné à la limite, ce qui, ma foi, n'est pas très très digne, parce que la Saint-Valentin, quand même, ça devrait être quelque chose de spécial, ça devrait être quelque chose de naturel. Mais lorsqu'on passe au point où c'est déjà le cadeau qui est significatif de la Saint-Valentin, je pense qu'on est en train de louper la cible. Et surtout, lorsqu'on parvient à offrir le cadeau, d'aucuns
ne le prennent pas à leur juste valeur, mais auraient souhaité quelque chose de plus signifiant, de plus significatif, ou encore quelque chose de mieux. Je prends une situation où vous envoyez une fleur à votre conjointe et qu'elle vous appelle pour vous demander si on mange ça. Alors, elle aurait peut-être souhaité que vous lui offrez peut-être une chaussure, un sac, dernier cri, ou alors un téléphone Samsung Galaxy Note Edge. Quelque chose de semblable. Donc, chers auditeurs, la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. C'est pas la fête du cadeau. Soyons passifs, soyons compréhensifs et apprécions à sa juste valeur les cadeaux que nous offrent nos partenaires pendant cette période. Surtout lorsque vous êtes dans une relation avec quelqu'un, ce n'est pas qu'à la Saint-Valentin que l'amour se prouve. Ce n'est pas que le jour de la Saint-Valentin que l'amour se concrétise. C'est vrai qu'on peut saisir l'opportunité de ce jour pour marquer quelque chose de spécial pour l'amour qu'on éprouve l'un de l'autre. Nous allons continuer dans cette émission en écoutant cette musique bien tapée de chez nous de Dinali, le titre intitulé Décision. Écoutons plutôt ça. Chers auditeurs, nous avons comme ça écouté Dinali dans ce titre intitulé Décision.
pour célébrer la fête des amoureux de joie à l'avance ici sur Cameroun Vibe. Nous allons continuer avec la musique. Cette fois-ci, ce sera Petit Pays dans son titre intitulé Embouteillage. Embouteillage, vous savez, malheureusement, la Saint-Valentin, parfois, ça crée les embouteillages dans les couples. Nous avons des gars, nous avons des mecs, ça se passe généralement dans les cités étudiantines. Nous avons des mecs qui ont quatre copines ou alors des gars qui ont quatre petites. Et lorsque ils se retrouvent là, ça crée un clash, ça crée également l'embouteillage. Embouteillage de Petit Pays, écoutons plutôt ça pour la Saint-Valentin. Ah oui, tout le monde est debout. Nous sommes jeudi le 12. Je vous assure qu'il n'y a pas embouteillage dans ce studio. C'est plutôt la fête de la Saint-Valentin. Merci.
C'est la radio numérique. La Saint-Valentin, c'est bientôt. Nous avons un auditeur qui nous appelle depuis New York. Bonsoir Paul et bienvenue sur la radio numérique. Bonsoir Frère Maréchal, c'est Paul Loué de New York. Ah d'accord, Paul Loué, oui, merci d'appeler la radio numérique. Nous émettons depuis notre studio 22-23 à partir de Washington DC. C'est en prélude de la Saint-Valentin. Alors, est-ce que vous pouvez faire trois dédicaces pour souhaiter la Saint-Valentin à vos proches? Ouais, je souhaite bonne fête à tout le monde, à tous les amoureux. Oui, à tous les amoureux. Bonne okay. fête à tous les amoureux. Ok, en l'occurrence, qui vous pouvez parler en anglais si vous vous sentez mieux confortable. Hein? Quelle soit ma femme, ma famille, tout celles qui nous sont très chères à ce monde. Ok. Bonne fête à tout le monde. Merci, Monsieur Paul. Nous savons également que vous avez un très grand spectacle que vous organisez du côté de du 14 mars avec Mani Bella, puisqu'elle va jouer à Washington le 7 et elle va jouer à New York le 14. Et nous savons que derrière ce grand projet de New York, c'est vous, Monsieur Paul Wewe, qui êtes derrière ce grand projet. Alors, est-ce que vous pouvez rassurer nos auditeurs que les préparatifs vont bon train? Oui, les préparatifs vont bon train. Nous sommes là, les préparatifs s'en vont. J'aimerais remercier Patrick Jacques, Suzy Menge et le grand DJ Bosco de New York. Okay. La cérémonie va commencer dès ce week-end et nous allons continuer jusqu'à la semaine de la femme. Et toutes les femmes, vous sortez par la parole avec nous à New York. New York est le Big Apple. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Le temps de rappeler à nos auditeurs que je serai également de la partie de New York après l'événement de Washington DC. Restez connectés pour ce très grand événement qui arrive le 7 mars à Washington DC et le 14 à New York avec la Nyamangalize Woman, Palapala Woman Mani Bella. Merci pour tout, Monsieur Paul. Merci d'avoir appelé la radio numérique. Merci. Ok, bonne soirée à vous et bonne continuation. D'accord. Et il s'appelle mathématiques de petit pays. Trompé. Faites surtout très attention de ne pas tromper ces jours de Saint-Valentin. Sinon, on va vous donner le carton rouge. Et écoutez plutôt ça. C'est l'homme qui trompe la femme. Moi je dis que c'est l'homme qui trompe la femme. Moi
je dis que c'est l'homme qui trompe la femme. Ils ont toujours un pied d'état, un pied de haut, maman. Moi, c'est de vouloir jouer au petit malin. Quand on les ensemble, la maintenant de ça, ça devient la bassonade. Moi, je dis que c'est l'homme qui trompe la femme. Moi, je dis que c'est l'homme qui trompe la femme. Architect, Fortico, Family. Petit Jésus de Manchester, c'est pas d'amour de Alexis. Tchiki. Laura Isso, le cœur du pays. Tchiki. Longa Oscar. Achille Emana, le gouverneur de Toulouse, Kibia, tout le monde, Job Désiré, everybody, Fadil, Bayero, Gouroua. Amidou Marafayaya. André Jacoboni, Dad, Nassau. Sonia Daniel Mikobe, monte si oui. I wonder who. Fatima Bayero, la princesse. Y'a pas mot, y'a pas gagné. Y'a pas mot, y'a pas jam, y'a pas mouré, et y'a pas jam, oh oh. Amadou Valmouké. Inoni Ephraim, Antoine Michel, Michael. Y'a pas mot, y'a pas jam, y'a pas mot. Ah oui, ah oui. S'il n'y a pas argent, il n'y a pas amour. C'est ce qui se dit par mathématiques de petit pays. Merci mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de continuer à écouter la radio numérique, la seule radio qui émet partout dans le monde entier. C'est une capacité très forte et très grandiose. C'est sous cette musique de mathématiques que nous allons bien sûr vous quitter. Non, tout d'abord, sans vous avoir demander de nous excuser parce que finalement Nassis Price n'a pas pu arriver dans ce studio pour des raisons indépendantes de notre volonté, de sa volonté, mais il nous a porté de vous rassurer que avant de quitter le territoire américain, il viendra dans ce studio pour une émission telle que nous vous l'avions promis. Il a eu des empêchements de dernière minute. Merci mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à la production Divine. La réalisation, Maréchal Tiano, présentation, votre humble serviteur, l'homme à la voix chromée, aromatisé, caramélisé, je serai toujours votre humble serviteur, le Maréchal T de Washington DC. Rayez les mentions inutiles. Merci à tous d'avoir écouté cette émission du jeudi 12. Merci, ciao et à mardi prochain pour une autre émission de Follow Me. Y'a pas amour, y'a pas changé, y'a pas amour, y'a pas changé, y'a pas amour.